plus ouverte, mais plus jolie, ça on va le savoir. Bien, et finira bien. En tout cas pour la gagnante. Ensemble avec vous, Muka et Christelle partagent des véritables moments de joie et de découverte. Juste dire que les deux forment le couple idéal pour nous aider à trouver la belle congolaise. Précédemment, ils nous ont menés vers les quintes du bon doudou et la découverte était au rendez-vous car très vite, on connaît les gagnantes de cette province. Du côté du Bakongo, une nouvelle tendance donne le ton. Applaudissez très fort pour la fille retenue. Celle qui est la Miss, Sarah qui est la Miss. On applaudit très très fort pour Sarah Dembo. Sarah Dembo. Regardez la Miss Bandundu. Je ne vous dis pas, regardez, on pourrait voir un zoom sur elle. Elle a des yeux verts, Christelle, tu vois? Évidemment. T'en connais à Kinshasa qui ont des yeux verts? Et vous, là, vous en connaissez qui ont des yeux verts? Et voilà, c'est la reine de la beauté, oui. Couronnée Miss Bandundu. Donc, nous avons déjà, Muka, les deux têtes d'affiche de cette province qui vient donc officiellement de clôturer sa phase. Et la couronne, bien sûr, à Sarah et Mireille, sa première dauphine. Voilà. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et... En tout cas, les filles de Kinshasa, préparez-vous. Préparez-vous parce que ça s'annonce très dur. Et là, je crois que c'est parti. Inscrivez-vous. Envoyez Miss au 7001 et vous recevrez une question et déterminez pour quelle province vous posez votre candidature. Coût du SMS sans limite. Notre périple continue à travers un pays aussi grand qu'un continent. Je t'arrête, Christelle. Tout aussi grand qu'un continent, tu l'as dit. Mm-hmm. Nous étions à Kikwiti. Mm-hmm. Pour l'instant, c'était au Bandundu. Bien sûr. Regarde bien sur cette carte. De Kikwiti, nous sommes partis au Bas-Congo. Oui. Et c'est là que nous cherchons notre perle. Mm-hmm. Nous sommes en train de sillonner. Nous sommes allés à Banzangungu, Kimpese et toutes les autres villes du Bas-Congo pour trouver cette perle. Mais attention, pays à la taille d'un continent. Oui. Nous allons remonter le fleuve en revenant comme ceci. Et regarde tout ça. Bien sûr, nous n'allons pas aller par mer, n'est-ce pas, Christelle? Bien sûr. Et comment irons-nous? Là, nous irons par avion. Voilà, tu l'as si bien dit. En remontant le fleuve, nous nous arrêtons sur les chutes de Wagenya. Vous donner une image exacte de ce qu'est une Miss. Notez que c'est d'abord une femme qui doit avoir du cœur et du caractère. Qui peut donc porter cette couronne? Eh bien, il y a eu des prédécesseurs, pour ne pas dire sans t'interrompre, Christelle, oui. Je dois rassurer et dire au public que l'élection Miss RD Congo ne commence pas qu'aujourd'hui. Non. C'est une vieille tradition. Une très vieille tradition que nous allons vous faire revivre. Mais cette fois-ci et avant tout, on va d'abord donner le profil de celle qui est digne de porter la couronne. Candidate numéro 12, République démocratique du Congo, Loka Européenne. Je suis élue Miss Afrique centrale. Je pense que vous savez que les gens qui sont atteints du sida se sont seuls, sont abandonnés. Je pense que je veux leur donner mon amour, aller les voir, aller les rencontrer, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que nous tous nous combattons contre le sida. Merci. Il était une fois Kinshasa. Une jeune fille congolaise, ambitieuse, volontaire, bien éduquée, mais dans un contexte socio-économique peu favorable à son épanouissement. L'opportunité de participer au concours Miss Congo se présente. Jolie et conquérante, elle s'y inscrit. Quelle décision judicieuse! En 2003, elle est couronnée Miss Congo et enchaîne avec une nouvelle consécration, première dauphine Miss Afrique centrale. Pour elle, c'est le déclic. Médiatisée, elle apprend vite à côtoyer des personnalités, à s'exprimer, à s'affirmer comme femme et comme individu.
Engagée comme mannequin, elle débute sa carrière professionnelle en Europe. Forte de cette expérience, consciente de tout ce qu'elle peut apporter à son pays, attachée culturellement à ses racines, elle décide de revenir au pays pour y développer ses propres activités. Intelligente et travailleuse, le succès lui sourit. Au-delà de ses activités, elle fonde l'ONG ELCOS, Ensemble luttons contre le sida. Fondation œuvrant principalement à l'assistance et à la lutte contre les violences sexuelles infligées aux femmes. Aujourd'hui reconnue par ses pairs, nommée ambassadrice de la paix en 2011, elle jouit d'une indépendance et d'une liberté respectable. Directrice artistique et technique du concours Miss Congo 2012, elle tient à offrir aux jeunes Congolaises la même chance dont elle a bénéficié. Et le rêve devient réalité. Wooding, le créateur. Rêve de Paris, vous ne passerez plus jamais inaperçu. Vous avez bien compris avec moi que être Miss est une affaire de personnalité. Une Miss est une grande dame. Être Miss, porter la couronne surtout, c'est quelque chose de très important, quelque chose de très grand. Être Miss, c'est avoir du cœur, c'est avoir de l'âme. Porter cet esprit en soi, c'est une affaire de grande dame. Une affaire de grande dame, bien sûr, Muka. Et bien sûr, elle doit être belle pour le monde, belle pour l'Afrique. Mais n'oubliez pas, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est vous qui choisirez celle qui deviendra ambassadrice. On ne cessera jamais de le dire. Votre part du travail est, bien sûr, d'émettre vos idées, d'émettre des suggestions, mais surtout d'émettre vos votes au service de celle que vous jugerez digne de porter cette couronne. Eh bien, dis-moi, Muka, on en est où pour le BAFO? Il faut dire, en tout cas, que les équipes ont fait leur travail et ils ont pu sortir. Je n'aimerais pas être à leur place. N'aimerais certainement pas être à leur place parce que j'aurais l'impression qu'à chaque fois qu'on en élimine une, il y en a toujours des plus belles qui apparaissent. Bien sûr. Et là, je dois te dire que 10, c'était trop peu pour le nombre de belles et de belles filles qu'il y avait pour le Bakongo. Mais à présent, nous allons vous présenter les 10 premières sélectionnées pour le Bakongo. Tout de suite, on